Bonsoir et bienvenue, c'est Jean-Pierre Foucault pour Qui veut gagner des millions. Le principe est simple, 4 millions de francs virtuels bien entendu, si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant et commençons. Merci beaucoup. Je vous remercie. Très bien. Avant de commencer, je dois vous demander combien de joueurs souhaitent participer. Très bien, alors ce sera vous, moi et l'ordinateur. Voulez-vous saisir votre nom, s'il vous plaît? Alors, sans plus attendre, voici Qui veut gagner des millions? Je vous propose tout de suite de découvrir la première question pour 1000 francs. C'est la bonne réponse, évidemment, 1000 francs. De 1000 francs, question. Et c'est la bonne réponse, vous gagnez 2000 francs. Question suivante, 3000 francs. Absolument, 3000 francs. Cette question vaut 5000 francs. Vous avez raison ? Et vous remportez 5000 francs. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier, qui vous garantit de repartir avec au moins 10 000 francs. Voici la question. Vous avez sélectionné le joker 50-50. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses maintenant, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que la réponse n'est pas 1. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 10 000 francs. Et c'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Félicitations, cette bonne réponse vous garantit maintenant 10 000 francs et ce, quoi qu'il arrive. Voici à présent la sixième question pour 20 000 francs. Selon vous, la bonne réponse est D. Vous jouiez pour 20 000 francs, eh bien, bravo, ils sont à vous. Pour le moment, tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la même réussite avec cette question qui vaut 40 000 francs. Selon vous, la bonne réponse est D. 40 000 francs sont en jeu et ils sont à vous.
Huitième question pour 80 000 francs. Vous pensez que la bonne réponse est C. Vous aviez 40 000 francs. Et maintenant, 80 000! Restez bien concentrés car la prochaine question peut vous rapporter 150 000 francs. Découvrons-la tout de suite. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. 150 000 francs sont en jeu. Bravo, vous venez de les remporter. N'oubliez pas les deux jokers qu'il vous reste, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous venez de remporter 150 000 francs, plus qu'une seule question avant le second palier. Vous avez choisi le vote du public. Public, attention, c'est à vous maintenant de répondre. Il semble certain que la bonne réponse est B. Eh bien, il semblerait que le public ait tranché. Réponse B, c'est votre dernier mot. Vous étiez à la tête de 150 000 francs et vous êtes maintenant à la tête de 300 000 francs. Félicitations. Vous êtes d'ores et déjà à la tête de 300 000 francs. Vous jouez maintenant pour 500 000 francs. C'est une sacrée somme. Voici la question. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Vous n'aviez rien à perdre en répondant à cette question, et vous n'avez d'ailleurs rien perdu. Au contraire, puisque vous venez de remporter 500 000 francs. Vous venez de gagner 500 000 francs. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Prenons tout de suite connaissance de la question suivante, la question à 700 000 francs. Vous pensez que la réponse est B. Vous aviez 500 000 francs. Et maintenant, vous avez 700 000 francs. Vous venez de gagner 700 000 francs et le droit de jouer pour 1 million. Restez bien concentrés. 1 million de francs. Question. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. 1 million de francs sont en jeu, c'est une sacrée somme. Somme que vous remportez. Vous avez donc déjà
1 million de francs, somme que vous pouvez encore doubler, voire quadrupler. Mais attention, si vous répondez à la prochaine question et que vous ne me donnez pas la bonne réponse, vous retombez à 300 000 francs. Voici la question. Vous pensez que la bonne réponse est C. Je vous rappelle que vous possédez actuellement 1 million de francs. Si vous m'avez donné une mauvaise réponse, vous perdez 700 000 francs, mais ce n'est pas le cas et vous remportez donc 2 millions. Jusqu'ici, vous avez fait un parcours exceptionnel qui vous vaut d'être plus riche de 2 millions. Et vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse des 4 millions. Alors, lisez la question, prenez bien votre temps pour réfléchir. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à continuer. Vous pouvez décider de partir sans répondre avec 2 millions, mais vous renoncez alors à doubler vos gains. Bonne chance à vous. Question. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Alors je vous propose maintenant de l'appeler sans plus attendre. Oui, j'écoute. Bonsoir Nadège, ici Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions. Oui, bonsoir. Votre ami bute sur la toute dernière question, la question qui vaut 4 millions, et c'est à vous de l'aider maintenant. Aucun problème. J'espère que vous êtes prête, Nadège. Voici la question. Une championne qui courait pieds nus. Pouf, c'est original ça. Ça me dit pas grand-chose. Renate Stecher, peut-être. Mais bon, je suis pas une grande connaisseuse en la matière. Hein. Nadège, merci beaucoup. Nadège, vous suggère la réponse D, à vous maintenant de prendre la décision finale. Êtes-vous sûr de vouloir répondre à cette question? En répondant à cette question, vous preniez le risque de perdre 1 700 000 francs. Mais ce risque en valait la peine puisqu'il vous rapporte maintenant 4 millions de francs. Vous avez réussi, bravo!